Hugo. Bonjour. Il a combien de... Comment tu vas, Hugo? Jeune homme. Énergiquement. Je te défends. Bonjour. Jean-Guy. J'ai à côté de toi, Guy. C'est bien, c'est quand même bien, on est deux à monter en même temps. Donc toi, tu commences à monter, Guy, là, tu continues. C'est un arceau qui est relativement fragile. Allez, vous montez. On passera un petit coup après sur le siège. Comme ça. Oh, c'est pas grave. On a l'habitude de se coucher par terre. On a l'habitude de se coucher par terre. Silence. Kylian. Regarde, au moment où tu vas monter, je pousse le bateau par là, comme ça. Hop, tu vas tomber. Un ancien marinier, ça devrait pas avoir parlé. Bon, alors, ça reste pour vous, Si tu disparais dans les vagues. Allez, donne la main. Là, donne la main. J'ai juste un passage ici. C'est bon pour pouvoir embarquer, mais... C'est toi qui conduis, non? Attendez. Oh, ça va, ça équilibre. Aux abords du quartier de la gare, approcher au plus près de la réserve naturelle, forcément, puis après partir dans l'autre sens. Okay. C'est selon. Oui, moins... Qui c'est qui a pris une ligne avec un hameçon pour mettre derrière? Où les toilettes? Eh, je fais mon selfie là. Souriez. Parti alors. Ça marche aussi. Tiens, regarde si ça marche pas. Ça marche. Eh, je suis un pro moi, qu'est-ce que tu veux. Ils sont sur le devant, je leur fais confiance parce que pas plus tard que mercredi, j'ai dû sauter à l'eau pour défaire un sac plastique qui s'était pris dans mon hélice. Je l'ai fait au port. Ah non, mais là, faut une réduction, là, quand même. Mais là, ça va. C'est juste, si vous voyez à la surface un sachet, parfois, ils sont un peu en deçà de la surface de l'eau, donc on voit pas toujours tout, mais c'est, ça m'éviterait de... Ouais. Je l'ai fait l'année dernière, je l'ai refait cette année. Donc c'est un peu la plaie... Ah ouais, on sait. C'est une vraie galère. Les canaux, c'est des poubelles. Ouais, donc on est parti, hein, messieurs. C'est vrai, donc, ouais, déjà, bonjour à tous, bienvenue à bord. Merci pour ce soleil que vous avez amené... Je l'avais commandé dans avec. Dans vos bagages, à 50 ans, il y a toujours du soleil, de toute façon, donc on n'a pas de surprise. Vous avez de la chance, je ne sais pas, alors je ne suis pas un photographe professionnel, loin de là, mais je pense qu'en luminosité, c'est pour moi les conditions idéales, non? Ah, là, c'est bien. Là, c'est bien. Ouais. C'est beau avec les reflets dans l'eau. C'est vrai qu'on a une autre vision, oui, que d'être sur le... Des angles, des prises de vue. Ouais, sont comme là, la bâtiment qui rentre dans l'eau. Ouais. Même le pêcheur. Il y a une bulle. Il y a des cailloux. Non, au pire, ils font des cailloux. Ils jettent tout poisson. Ouais. Mais non, tu les jettes au pêcheur, tu vas voir. Ils ont les cailloux. Ils flottent. Ils
Et ensuite, c'est le canal latéral à l'Oise. Quand il a été inauguré, il y a 6 ans par Napoléon Ier. On va l'écraser. C'était le trait d'union, la jonction entre le Nord, la Belgique et Paris. Spécifiquement, avec tout ça, la motivation première, c'était l'acheminement du charbon. Parce qu'on avait découvert du charbon dans les. Ah, j'aime bien, c'est Philippe. Et à cette époque. Papa, il y a des signes là. Gueule, pour transporter une telle quantité, le train de plus grand nombre. Et bien, la route, ce qu'on appelait le roulage, c'était. Mange, papa. Des chariots. Attends, je peux pas manger, je sais pas manger. On pouvait pas transporter grand chose. Donc, forcément, transporter une grande quantité de charbon passait indispensablement par. C'est chiant, pour que les gens ils aillent en balade en vélo. Les assistances, ouais. Assistance électrique. Ouais, c'est... Il y en a beaucoup ici. Hein. Il... Bien sûr, vous pouvez coupler la photo à la vidéo, c'est comme ça. On est par les femmes de la bonne marche. Là, ça va, il n'y a pas de péniche encore. Ouais. Bon, on s'en va. Là, c'est bien. En plus, il n'y a pas longtemps, on prenait des gens en commun parce que j'ai vu Madame Godet de Vermandois, qui est une Brigitte. Ah ouais, papa, il y a un canard qui pêche. Bah non, hein. Moi aussi. Bah, c'est pour nouveau ça. Regarde bien, regarde. Regarde, regarde sous le pont. Pigeons, là. Allez, pigeons. Oh, les pigeons. Ah, ça fait grand chien. Il était pigeon. Encore un là. Ah, oui. Il y en a un là qui marche. Oui, c'est marrant, j'en ai déjà vu. Son papa, il est dans son pigeon là. Un pigeon là-bas. Oh, il y en a un qui a volé. 2 années, ensemble. Il y a des chauves-souris ici. De toute façon, c'est pas difficile. Du pont. Si ça sent l'ammoniaque et tout ça. D'inauguration par Napoléon de 1810. Mais il faut savoir que ce canal il a pas mal évolué. Jusque 1907, elle était là. Elle était là et elle a été déplacée vers l'amont. Et en conséquence, qu'est-ce que ça a produit? Eh bien, si elle était là, ça veut dire que le canal il montait, puisque là on va vers l'amont. Le canal était plus haut. Et en déplaçant l'écluse, ça a permis d'abaisser ce qu'on appelle le bief du canal, c'est-à-dire cette portion du canal, et donc d'assécher une partie des territoires, notamment ce qui était là. Parce que le marais était beaucoup plus vaste que ça. Vous avez jamais fait des vacances, hein? On va le faire après avec Luc. Parce que avec Luc? Luc Barnier. Je l'ai vu il y a un mois, parce que j'ai fait une visite en anglais, je ne sais pas si on en anglais pour lui. Vous ne connaissez pas? Je l'avais déjà fait avec d'autres, avec les amis de la cave, avec... Monsieur Fort aussi. Monsieur Fort est parti là. Oui. Ah, il est non, on est tous. Tamar, on allait chercher les péniches là-bas à Fontaine-l'Éclair à pied. On montait dans la péniche de mes oncles. Et puis un petit train électrique qui nous tirait jusque-là. Là, dans la berge. Génération, oui. Et là, les bâtiments qui étaient là, il y avait tous les petits tracteurs électriques. Il n'y en a plus sur Saint-Quentin. Parce que l'autre fois, j'allais chercher après. À hauteur du chauffeur. Exactement. C'est le moulin qui a perduré le plus longtemps. Il a quasiment, je dirais, tout exactement. Je connaissais la légende. C'est dommage qu'on ait la vue de trouver un petit peu par les camions. Je ne dirais pas jusque-là, mais cette zone coupe. Avec une partie, bien sûr, qui a été asséchée pour l'installation de la voie de chemin de fer. Et petit clin d'œil de l'histoire, ça reste en famille. C'est le neveu de Napoléon Ier, le futur Napoléon III, qui a inauguré la ligne de chemin de fer, Saint-Quentin-Creil. Voilà, vous voyez, en 40 ans d'écart, on a le canal et la voie d'eau. Le canal et la voie de chemin de fer. Hey, il y a poisson, il y a poisson comme... C'était assez simple, le fait de doubler les sas, ça a permis de fluidifier le trafic qui, à une époque, était